d'Ivoire Chanel. On vient de faire sortir la pirogue de sa maison. Et là, nous allons maintenant installer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le drapeau, c'est la Côte d'Ivoire. Comme c'est une pirogue de génération Félix Foubouigny. Donc, c'est pour ça qu'on met le drapeau de la Côte d'Ivoire. La pirogue sort à des occasions exceptionnelles. Par exemple, lorsqu'on reçoit une autorité, on fait sortir la pirogue. Mm-hmm. Et puis, pendant la fête des Pâques, on fait sortir la pirogue. Il n'y a pas de libation à faire ? Oui. Le matin, d'abord, on vient faire une libation aux ancêtres, mm-hmm. pour leur dire de soutenir la pirogue, mm-hmm. ne pas qu'il y ait des inconvénients, des risques. Voilà. Après la libation, maintenant on fait sortir la pirogue. La pirogue elle-même elle fait 24 mètres. Au maximum 120. Quand il n'y a pas des vagues, au moins 120. Mais quand souvent il y a les vagues, on tenue des choses. Parce qu'avant c'était les doyens. Mais maintenant la jeunesse n'arrive pas à maîtriser. Donc on diminue soit à 80 ou à 90. Avant, la pirogue était dehors. Hein, dehors, elle était exposée à la pluie, au vent. Alors, il y a un fils du village, compte tenu des choses, il a préféré à ce que la pirogue soit gardée dans une maison, pour ne pas que ça s'abîme. Parce qu'actuellement, pour trouver un arbre comme ça pour faire, ça sera difficile. Il a préféré construire ça pour qu'on garde la pirogue.